définir ce que c'est qu'une force. Une force, c'est un outil clé dans la physique mécanique. Ça va servir à savoir comment est-ce que les objets se déplacent. Ça va permettre de pouvoir calculer des tensions à l'intérieur d'un système. Et c'est quelque chose qui est partout autour de nous. Tu ouvres une porte, il y a une force. Tu te manges un bus, il y a une force. Tu descends l'escalier, il y a une force. Tu fais des crêpes, il y a une force. Donc c'est partout. Une force, c'est une action mécanique qui induit une accélération ou une déformation. Quand on te pousse, on te tire, tu te fais rouler dessus par un train, c'est qu'il y a une force. Son unité, c'est le newton. Et on le représente avec un vecteur. Ok, on va bien se concentrer pour tout se rappeler. Une force. Ça induit une accélération et une déformation. Son unité, c'est le newton. Et on le représente avec un vecteur. Voilà, c'était la petite introduction sur qu'est-ce que c'est qu'une force. Si maintenant tu veux creuser le sujet, je t'invite à aller regarder les vidéos sur l'accélération et la seconde loi de Newton. Et comme ça, tu sauras tout sur la mécanique.